the sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Salut, Marie-Laure Perron, médium et clairvoyante, ici en Sud-Gironde depuis déjà 2010. C'est vrai, je commence à faire un petit peu plus de vidéos sur YouTube parce que vous m'avez demandé plusieurs fois comment je vivais ma médiumité, pourquoi j'en avais fait mon métier. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir une chose, que moi je suis née donc en 1973, il y a 45 ans et demi, avec cette capacité-là. Ça a été plutôt pour moi difficile de comprendre que tout le monde n'était pas comme moi. Et je remercierai encore mes professeurs qui, quand j'étais en primaire, me disaient « Non, parle pas à tout le monde, ne dis pas tout ce que tu vois. » Parce qu'il m'était déjà arrivé de voir des entités en classe, de parler de certaines choses dont je n'aurais pas dû être au courant, mais parce que simplement je répétais ce que l'entité, le fantôme, on l'appelle un petit peu comme vous voulez, me disait. Et là, c'est vrai que les adultes, ça peut faire peur, et c'est pour ça souvent qu'on me disait « Mais Marie-Laure, elle joue toute seule dans la cour de récréation, elle n'a jamais besoin de camarades. » En réalité, j'étais pas vrai qu'il y a toujours seule. Eu des gens avec moi, j'ai toujours eu capté des entités. De nos jours encore, si je ne suis pas concentrée pour rester ici, pour pas ouvrir mon canal, je peux marcher dans la rue, je peux voir des choses, des entités, des fantômes, enfin voilà, des choses qui se passent, qui pour moi sont tout à fait normales. On est bien d'accord, c'est normal d'être comme ça. Mon cerveau, il est programmé. Donc, ce n'est pas facile d'avoir cette capacité parce qu'il me faut de la concentration, justement, pour ne pas partir dans des visions ou dans des ressentis. En 2015, j'avais été approchée, recrutée par une grosse émission de télé, enfin c'est pas une émission, c'est une grosse chaîne de télé qui devait faire une émission sur un médium. Pendant 2 ans, ils m'ont suivi, on a fait des tournages dans la rue, dans des boutiques, dans des bureaux, on a fait des tournages salon de coiffure, esthétique, enfin un petit peu partout. Et c'est cette société donc, qui m'a suivi pendant 2 ans, donc c'était top secret, il ne fallait pas en parler. Tout ça pour créer une émission avec un médium dans sa vie de tous les jours. C'était vraiment génial parce que pour moi, dans le concept de montrer au public c'est quoi un médium, quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne se la pète pas, quelqu'un qui est rigolo et en même temps qui vit des choses quand même pas si faciles que ça. Donc c'est vrai que cette capacité que j'ai, elle n'est pas si facile que ça à vivre parce que ça me demande de la concentration. Et vous allez me dire, mais alors, elle en est où l'émission? Eh bien, on est 15 jours avant de tourner le pilote. Alors, il faut savoir que le pilote, j'ai découvert plein de choses, c'est le premier tournage. Et de là, si ça fonctionne, on fait une émission. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a rien d'autre. Et donc, je crois que c'était 15 jours ou 2 semaines avant. Donc, c'était sur Paris. J'allais souvent sur Paris pour être expérimentée, voyez-vous. C'était quand même assez sympathique. En fin de compte, j'ai pas été retenue au bout de 2 ans de silence, interdit d'en parler. À part mes 3 enfants, mon mari et mes amis proches, personne d'autre n'était au courant. Et donc j'ai vraiment été testée et un petit peu comme presque un rat de laboratoire, je l'avoue quand même maintenant en prenant du recul. Dans la rue, les boutiques, dans le restaurant, à tout moment, je devais prouver ce que j'étais et ce que je voyais.
ça a cartonné parce que bon bah voilà, quand on est bon, on est bon. Les gens étaient super contents, satisfaits. Les prédictions futures pour certains changements de maison, naissance, tout ça, tout s'est passé. Mais j'ai pas été retenue. Ils ont préféré prendre un médium de Paris. Parce que le budget était peut-être moindre pour eux, sachant que moi à l'époque je dormais à l'hôtel ou chez ma grand-mère à mes frais, ils me payaient que le transport. Donc j'étais un petit peu déçue et j'avoue, ouais, pendant depuis 2015, ils m'ont donné la réponse négative en 2017. Pendant 2 ans, ça a été pour moi une expérience à apprendre à avoir confiance en moi aussi, et puis surtout rester ce que je suis. Ne pas accepter de faire telle ou telle position, ne pas accepter de vouvoyer les gens, rester ce que je suis, c'est-à-dire naturel. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas compliqué dans un milieu où on est surtout dans l'image. Et moi, je dénotais peut-être, enfin non, je plaisante, je dénotais pas, mais j'étais vraie. Et il y a certaines choses où je refusais de faire, donc j'ai pas été retenue. Donc depuis 2017, j'ai écrit un bouquin où j'en parle dans ce bouquin. Je converse les morts depuis toujours et je vous en parle dedans. Je ne cite pas la chaîne, je sais pas pourquoi, la musique, là, voilà, la lumière est mieux comme ça. Je ne cite pas la chaîne pour qui j'ai travaillé, enfin plutôt bénévolement pendant 2 ans. J'ai fait énormément de choses. Parce que pour moi, je pars du principe que bon, bah, s'ils font leur projet, ce sera génial. Moi, ce projet, cette émission, c'était à mon sens un truc génial parce qu'on pouvait montrer au public qu'il y a des choses qui existent, qu'on ne peut pas forcément de façon physique, de façon scientifique, vous les prouver. Mais là, en abordant des inconnus, en leur disant des choses dans la rue, dans une boutique, au restaurant, vous mangez, il y a quelqu'un à côté de vous, paf, vous lui dites quelque chose. Pour moi, c'était genre, waouh, on peut vous prouver qu'il existe quelque chose. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais, on est en 2019. Et c'est vrai que moi, j'avais plein d'idées. Je leur donnais des petites idées aussi sur ma conception aussi de c'est quoi être médium, c'est quoi être clairvoyant. À n'importe où, à n'importe quel moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais pourquoi je ne le ferais pas moi-même avec mon petit iPhone ? Oh ! Smartphone ! Je ne vais pas faire de pub. Ben oui, non mais c'est vrai quoi. On est en 2019, Marie-Laure. J'ai un smartphone, il y a un micro. Ben moi, je vais vous poser la question. Oui ou non, ça vous intéresse que je vienne chez vous, dans votre boutique, n'importe où, et qu'on fasse médiumité, voyance, comme ça, paf, d'un coup, à n'importe qui. Avec son accord, puisqu'il faut un accord écrit pour pouvoir après diffuser via les réseaux ou via un écran. Parce qu'on ne va pas filmer comme ça quelqu'un dans la rue en disant « Oh, tiens, bonjour, toi, tu vas déménager. » Ou « Tiens, attention, tu vas changer de boulot. » Non, on n'a pas le droit de le faire. C'est ma déontologie. Donc, certaines choses que l'on voit sur des écrans, attention, des fois, tout n'est pas vrai. Donc, voilà. Je me lance, j'ai l'idée depuis un moment, ça fait un an que ça me trotte dans la tête, mais pourquoi je le fais pas moi-même ? Alors, si t'as une boutique, si t'as un resto, si t'es prêt à ce qu'on filme une consultation entre toi et moi, que ce soit par internet, que ce soit au cabinet, ou que ce soit pendant une conférence, si t'as envie de participer à mon projet complètement dingue de faire ça, eh ben, abonne-toi à ma page YouTube, ça c'est clair, c'est normal, mais non, c'est laisse-moi en message privé, soit via Facebook ou si c'est sur YouTube, je vais remettre ma boîte email. Je te ferai signer une sorte de décharge comme quoi tu m'autorises à te filmer et que tu m'autorises à divulguer sur YouTube et sur ma chaîne ce qui va se passer entre toi et moi, aussi bien médiumité et voyance. Si tu as envie de participer à ce truc de fou, ça va me prendre du temps, mais j'ai vraiment envie. Bah, salut, des ânes. Anne ou Anes, je ne sais pas. Bon, bref. Si tu as envie, toi aussi, de participer, est-ce que tu veux participer à mon projet, toi ? Alors voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à participer à mon projet complètement dingue sur ma chaîne, de te filmer, de faire une consultation ou une conférence avec moi
pour qu'on puisse diffuser via un écran. Ah. Il aime plus grand monde. Zeus, viens. Viens mon bébé. Oh, j'ai mon grand. Et voici Zeus. Il a 13 ans, il est vieux. Alors Zeus, est-ce que tu veux participer à notre émission? Non? Bon. Eh bien voilà, ça y est, le projet est lancé, j'en ai parlé. Caméscope en main, micro, t'as un château, t'as une vieille maison, il y a des choses un petit peu bizarres qui s'y passent. T'as envie qu'on vienne, t'as envie qu'on filme, t'as envie qu'on comprenne les choses. Restaurant, voyance, un peu partout. Si vous avez envie de participer à ce projet complètement dingue, vous me laissez un message. Je vais privé. Faire des conférences partout en France. Je continue. On va faire des vidéos lors des conférences. Et on va vous interviewer aussi avant la conférence. Pourquoi vous venez à une conférence? Qu'est-ce qui vous intrigue? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir lors de ces conférences? Je suis essoufflée. Donc, si tu as envie de participer à ce projet complètement dingue, je vais faire des interviews, je vais faire des vidéos. Ce sera sur cette chaîne YouTube, parce que ça fait des années que j'ai cette chaîne et bon, en fin de compte, je ne la fais pas vraiment vivre. Je vais demander à mon partenaire de boutique ésotérique, loomterra.com, si ça les intéresse aussi que bah, je puisse proposer leurs objets, leurs bracelets, tout ça, parce que des fois, les gens sont un petit peu flagada et je sais qu'il ne faut pas grand-chose. Bon, pas grand chose pour aller mieux. Par exemple, le Loom Chakra que j'adore, bah moi, depuis que je le porte, je me sens bien. Enfin, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est magique? J'en sais rien. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur les pierres, les énergies. Donc voilà, le lancement de ma chaîne se fait. Sachez que je serai le 8 septembre à Essois pour l'association Elle et Sébastien, dont je suis la marraine. Si vous avez envie de participer à l'interview, si vous avez envie de passer avec moi ici sur cette chaîne, je vous ferai signer un document légal pour me donner l'autorisation de divulguer ce qu'on verra ensemble. Après, je vais aller faire aussi sur Langon. Je vais retourner à Limoges. Je vais aller à... Je n'ai plus le programme en tête. Bon, bref. Maintenant, c'est parti. Je lance ma chaîne. Pendant 2 ans, j'ai été testée de long en large, en travers, n'importe où, à n'importe quel moment. Je sais que je suis capable de le faire. Donc maintenant, je me dis, bah, je vais le faire pour moi. Pour toi, pour te montrer qu'il y a des choses qui existent un petit peu bizarres, qui ne sont pas forcément si bizarres que ça. Donc si tu as envie de participer à ce projet, si tu es prêt à être filmé pour montrer certaines choses, je ne suis pas là pour te faire comprendre ou te dire « ouais, ça existe » ou « non, ça n'existe pas, c'est une secte ». Tout ça, je m'en fiche. Moi, je le vis depuis que je suis née, depuis 1973. Et maintenant, j'ai envie de le participer à une grandeur un petit peu plus évoluée. Donc, si tu as envie de participer à ce projet de tournage, d'interview, n'hésite pas à contacter. N'hésite pas à me laisser un email ou sur Messenger. On va commencer à mettre en place tout ça. Ça va être bientôt, c'est sur ma chaîne. Je suis contente de ce projet que j'avais en tête depuis un moment. Je l'ai vécu, j'ai été testée partout. Donc je sais ce que je vaux et je sais que j'en suis capable. Je le fais avec mon cœur, je le fais avec plaisir. Et ça, c'est aussi, c'est très important de toujours faire quelque chose avec joie et plaisir. Je te laisse. Ici, en Sud-Gironde, le soleil commence à se coucher. Je te souhaite une agréable semaine. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais si tu as envie de participer à ce projet, tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu la partages. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de participer à ce projet complètement dingue pour vous montrer certaines choses. Alors voilà, Marie-Laure Perron, médium, clairvoyante, conférencière et auteure du livre « Je converse avec les morts depuis toujours » se lance enfin à prix de l'assurance. Bah ouais, c'est pas si facile que ça de se lancer non plus dans des projets et de sortir de sa zone de confort. N'oubliez pas, on vous prévoit des trucs assez sympathiques, on vous tient au courant. Abonne-toi, like si t'en as envie. Bon, quand j'irai chez le coiffeur, je leur demanderai si je peux faire aussi un tournage chez elle. Voilà, si tu as envie de participer à ce projet complètement barge, casting ouvert à tout le monde. Mais il y aura un document à signer pour pouvoir le diffuser. À bientôt et merci à toi de t'abonner à ma page, de liker et de la partager parce que c'est aussi grâce à toi que tout fonctionne et que ça se développe. Et bien voilà, le soleil se couche. Moi je te dis à très bientôt et surtout, réponds, as-tu envie ou pas de participer à ce truc complètement barge? À bientôt.